Même si c'est un homme, et je comprends très bien l'aspect, comment dire, déstabilisant potentiellement du changement de club, de ville, de contexte, de tout ce que vous voulez, Barcelone, Paris, etc. Messi, mais c'est quand même Lionel Messi. Ouais. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est pour ça. C'est un ouais. homme qui a presque 800 buts en carrière. Mm. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus rapide, qu'il soit un peu plus efficace dans le dernier geste. Et que en Ligue 1, il soit quand même aujourd'hui sur le talon des meilleurs buteurs. Moi, je le vois jouer. Je vous dis franchement, il y a des moments, je me dis mince, mais c'est pas lui, quoi. C'est pas Lionel Messi. Il rate des choses qui sont invraisemblables pour un joueur lambda. Ça me paraît normal, mais pour un gars de son talent. Je me dis, mais c'est pas possible, le gars, il est pas dans ses pompes, quoi. Mais deuxième joueur le plus influent du Paris Saint-Germain, quand même. Ouais, mais il y a pas de problème. Après, il y a une chose quand même qui me gêne, juste comme ça, c'est juste pour les joueurs du Paris Saint-Germain, dès qu'ils parlent du Paris Saint-Germain. Alors, ils vous disent tout le temps, quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, on vient dans une ville qui est superbe et on a une super équipe. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent le contraire, que c'est une super équipe et puis la ville est très belle. Mais j'ai l'impression qu'ils viennent pour la ville, quoi. Donc, ça me gêne un peu, quoi. C'est toujours la même chose, quand vous venez à Paris, forcément. Non, mais d'accord, mais vous venez quand même pour jouer dans une équipe avec des stars, quoi. Il y a oui, quand même mais Neymar, vous savez également Mbappé, que Newcastle, malgré tout l'argent qu'a Newcastle aujourd'hui, les joueurs ne vont pas se déplacer pour la ville de Newcastle. Oui, il y a peut-être moins de pièges, Eric. D'accord, il y a peut-être moins de pièges dans la ville de Newcastle que dans la vie parisienne. Je ne parle pas de Messi, là, pour le coup. Non.